attendre 11 heures, aller travailler. Peut-être qu'à la fin de la journée, on va pouvoir rembourser nos dettes. Et puis, bah, il faudrait commencer à gagner un peu d'argent quand même. Ah mince, j'ai oublié. Ah non, c'était pas 10 heures. C'est bon, c'est 10 heures. Alors, je sais plus. Qu'est-ce qu'on vient de faire? La chance ou événement? C'était événement. Donc maintenant, c'est chance, qui ne m'a pas beaucoup porté chance jusqu'à présent. Donc on va bien voir. Donc on est en pause, on est en pause. Allez, croisez les doigts les gens pour savoir quelle galère il va me tomber sur le coin de la gueule encore une fois. Dis Siri, peux-tu me donner un bon chiffre entre 1 et 26, s'il te plaît? Nombre aléatoire entre 1 et 26 font 26. 26, t'allais pas plus près toi. J'allais chercher au bout du tableau. 22, 23. 26. Oh, nickel. Oh non! Dommage. Pension de retraite. Ayant entendu la colère des retraités suite à la baisse de leurs revenus, le gouvernement s'est décidé à débloquer des fonds pour améliorer un peu leur quotidien. Pour chaque cime senior dans votre foyer, ajoutez 500 cimes flouzes. Bien entendu, je n'ai aucun vieux dans mon foyer. Voilà. Voilà, c'est bien. Au moins, ça m'a rien coûté, mais ça m'a rien rapporté, cette histoire. Donc c'est pas grave, allez va au travail. Je voulais voir si j'avais reçu un petit peu d'argent. Non, pas encore. Je sais plus à quelle heure c'est l'argent pour les livres qu'on a auto-publiés. Ah bah voilà, je suis demandé. Waouh, 7 simflouzes! Je pense que ça vaut pas le coup que j'écrive. On va se concentrer sur les tableaux que j'ai plus le droit de vendre. Mais que d'ailleurs, heureusement que j'ai fait attention. Parce que j'ai plus le droit de les vendre maintenant, les tableaux. Donc il va falloir que je les garde pour dimanche. Faut aller bosser là. Ah non, pas encore. Dans 30 minutes. C'est ça, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Attends. Hop, on vient ici. Commence dans 1 heure environ. Ok. Allez. Allez au boulot, ma grande. À la vitesse où ça avance, elle va vite avoir des cheveux blancs. Oui, bah ça c'est. Bah non, parce que le challenge finit quand elle va devenir adulte. Non, mais en fait, je me complique la vie parce que je prends qu'un seul sim, mais j'aurais dû prendre en fait un foyer où il y avait quatre sims, comme ça ils seraient allés travailler les quatre. Ça aurait été peinard, quoi. Mais non, je me suis un petit peu. Voilà, on va repartir sur notre terrain. On va voir si les fraisiers ont bougé ou si vraiment il faut être sur place. Et donc on va travailler pour la gloire puisque à mon avis tout l'argent qu'on va gagner, on va le remettre aussitôt à zéro. Donc ça fait un jour de travail. Magnifique. 2 jours, lundi jusqu'à lundi. Inclus. 200. Wouhou! Donc, on leur doit 592, si ma mémoire est bonne. Donc, je leur dois 592. Du coup, ça fait. Il me reste 108 simflouzes. Youhou! Allez, c'est parti. C'est la fête. Écoute, on va repartir faire des tableaux qu'on va emmagasiner parce qu'on n'a plus rien à vendre pour dimanche. Je suis pas sûre que ce soit la brocante. Donc on va aller faire des tableaux. Ah oui, il faut être sur place. Ouais, mais tu sais quoi, je pense que ça rapporte pas assez pour qu'on s'emmerde à rester sur le terrain. Je pense qu'il y a plus moyen. Enfin, je pense qu'il y a plus moyen de se faire l'argent sur autre chose. Par contre, je viens de réfléchir à une chose, c'est que je vais pas pouvoir faire 15 000 peintures. Dans le sens où faire une peinture me demande 100 simflouzes et que j'en ai 108. Donc j'ai peut-être opté pour des petits tableaux et puis on verra si c'est plus rentable que des grands toiles classiques, petites toiles classiques. On va voir, peut-être que comme ça on en fait 4 et on mange que des repas gratuits jusqu'à dimanche. On est déjà vendredi, ça va, c'est cool. Vendredi soir, en plus, il reste que demain. Du coup.
coup. Voilà. Du coup, on va peut-être pouvoir se faire un tout petit peu d'argent. Donc demain, j'espère qu'on aura autant de chance. Enfin, disons que moi, ça me plaît, hein, les cartes chance où je perds pas d'argent déjà. Je trouve que c'est pas mal. Pas, c'est mieux si j'en gagne, mais bon, déjà si j'en perds pas. Alors combien ça rapporte là? Reprends, non mais reprends. Ah, t'es trop fatiguée. Ah bah merde, là qu'elle tombe dans les pommes. Bon, bah elle va aller dormir. On va pas la laisser comme ça. Allez, faire une sieste. 4, désolé, mais ce sera. Ah bah oui, 2. Pardon. Bonjour, je suis douée en maths. Non, non, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était 25 simflouz la petite peinture, mais non, effectivement, c'est 50 simflouz, tu as raison. Du coup, je suis pas sûre que ça vaille beaucoup le coup d'en faire deux au lieu d'une, mais. Ou alors j'en fais une et puis je fabrique une sculpture, ça aussi, ça rapporte des sous. Bon, faut pas que quelqu'un m'annule mon tableau. Hein. Non, mais. Oh putain. Et je vais te tuer, toi, si t'arrêtes pas d'allumer la télé quand j'essaie de dormir. De respect pour les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent et qui sont en pleine crise financière, genre krach boursier, mais puissance 10 000 quoi. Genre j'ai commencé le challenge à zéro les gars quand même. À zéro quoi. Il y en a, ils commencent à 56 clous, quoi. 50 000 pardon. Moi je commence à zéro. C'est moche. C'est très très moche. Allez, on est parti. Et c'est dommage, on peut pas accélérer trop vite. Hein. Allez, puis ça monte pas trop hein, sur les canapés quand même. Hein. C'est moyennement efficace de dormir sur les bancs. Tu doubles ton investissement quand tu fais des sculptures. Ah bah on va finir le tableau, puis on va attaquer les sculptures alors. Allez, fini. Voilà. C'est parfait. T'as fini? Eh, pas mal quand même. Là, on a plus que doublé, dis donc. Mettre dans l'inventaire. Du coup, je sais pas. Est-ce qu'il y a des sculptures à 8? Ouais, on peut faire un bloc de couteau. Allez, on va faire une sculpture de cheval. Je sais pas ce qui est le plus rentable. J'hésite hein, quand même. 50K, c'est même pas intéressant. Sauf qu'on vient de les factures et que tu te retrouves avec une banqueroute. Oh, j'ai pas pensé aux factures. Enfin, y a rien sur mon terrain. Ils vont pas m'envoyer des factures quand même. Coucou, je suis nouveau. Coucou Malcolm, bienvenue par ici. Alors. Je sais pas trop ce qui est plus rentable. Bon, on va le faire. C'est pour vrai. De toute façon, là, j'ai plus de sous, alors. Et oui, donc je pense qu'on va devoir juste se contenter de faire quelques... C'est quoi, ça? Ah, c'est un distributeur de billets. Où tu vas? Alors, donc j'ai dépensé 10 pour le faire, et ça rapporte 20, voilà, c'est ça, très bien. Il est cool ton live. Bah merci, c'est gentil. C'est très gentil de ta part. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'amuses. Tu discutes, on s'en fout, tu discuteras plus tard. Allez, va manger ta compote de pommes, tiens. Voilà, c'est important de manger sa compote de pommes. Puis tu iras dormir avant qu'elle prenne l'idée d'allumer la télé encore. Essayer de récupérer, c'est samedi. À 10h, il va nous arriver encore je sais pas quoi. Donc on n'a plus de dette, hein, on est d'accord, j'efface ma dette. Voilà. On n'a plus de dette. Wouh! Disons que la sculpture est plus long terme, mais à long terme. Ouais, c'est ça, faut que je monte en bricolage, quoi. Donc j'aurais dû faire... Je vais attendre que mes livres me rapportent mes 4 simflouz quotidiens. Et puis j'irai faire une deuxième peinture à 50 simflouz. Ça fera un petit peu d'argent pour commencer la semaine qui va être longue.
Allez, donc 7 heures, on fait rien. Parce qu'on a travaillé qu'un jour sur 3. Au début, tu doubles et après, tu multiplies par 4. Oh, bien. On va monter le... On va monter le bricolage. Voilà, avant elle s'appelait Penny Pizzas, maintenant c'est Bobette la bricoleuse. Voilà. C'est bien. Ça t'aura fait du bien la crise, t'auras appris plein de choses. Alors si toi tu m'allumes la télé, mon grand, là, je pense que je t'accroche au mur avec des punaises. Elle dort, laisse-la dormir. Donc il est 10h. Voilà, le moment tant attendu est arrivé. Nous allons donc tirer un événement au sort. Voilà. Vous sentez la peur dans ma voix, cette terrible chose que je suis obligée de faire. Dis Siri, donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Nombre aléatoire entre 1 et 26 font 6. 6. Péché mignon. Vos yeux vous trompent-ils ou bien quelqu'un a fait une pleine assiette d'un de vos plats favoris? Vous essayez de résister, mais c'est plus fort que vous, vous devez vider cette assiette. Votre Sims doit manger à lui tout seul un plat fait pour un groupe, soit 8 portions. Mais en fait, si je respecte pas ça, c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences. Du coup, je suis obligée de les faire ou pas? Parce qu'il n'y a aucune conséquence. Si, je suis obligée quand même. Parce que du coup, les sous, là... Fait chier, falloir que je fasse un plat alors que j'avais tout juste de quoi faire un tableau. Bon bah tant pis, on va faire un plat pour 8. Hein. On en est, on va essayer de trouver un truc pas cher. Ah, bon bah. C'est parti. Je peux pas la persuader de faire un plat. On n'est pas obligé. Si tu arrives, boulot cuisine assuré. Mais j'ai pas, je vois pas le. Attends. Ah, c'est parce que j'ai pas regardé. Attends. Oui, je regarde que le côté pas bien et j'ai pas regardé le côté bien. Ah, donc tout à l'heure avec crac là de Don, il y avait quelque chose à. Il y avait une récompense avec. Et je l'ai pas pris. Oh bah c'est dommage. C'est dommage. Non bon je m'en fiche de la carrière. Il y a quoi de spécial avec la carrière? Vous obtenez une offre de 3 jours dans la carrière auteur. Ouais, j'y suis déjà. Donc, j'avais pas compris que quand c'était blanc, en fait, c'est juste que y avait un truc positif si on le faisait. Donc, non, je vais pas le faire. Et puis, c'est pas grave, je suis déjà auteur. Donc je vais pas le faire. Bon, de toute façon, en plus, on va pas tarder d'arrêter le live. Parce qu'il commence à être tard. Et puis, pour une reprise, finalement, c'était pas mal. Mis à part une petite pause obligatoire. la pause canicule. On va laisser se reposer encore un petit peu. Parce que la barre d'énergie descend quand même hyper vite. Jusqu'à ce qu'elle ait très très envie d'aller aux toilettes. Utiliser. Ouais, puis je pense que je vais mettre un peu plus au clair là dans mes papiers. Parce que c'est le bordel et que... Et qu'il faut que je refasse les tableaux parce qu'en fait, j'ai trop... Enfin, un tableau me prend 5-6 pages, donc c'est pas possible. Il faut que je réaménage le tableau pour qu'il tienne un tableau par page. Bon, tu vas arrêter de dormir, sinon tu vas te pisser dessus. Allez. Là. C'est bon, c'est pas bon, ça. Ça a l'air bon. Manger. Voilà. C'est bien, elle est bien cette bibliothèque. Il y a plein de gens qui font un bouffer pour moi. Nickel, en fait, c'est un centre pour SDF, je crois. Hop. Ah, va falloir aller te laver un peu parce que. C'est chiant d'aller bouffer à l'autre bout du monde, là.
Après, tiens, tu vas aller jouer avec quelqu'un. Comme ça. Tiens, elle se limitera d'aller regarder la télé. Tu vas jouer avec quelqu'un, comme ça, ça montrera et le divertissement et le social. Et après, tu vas aller finir ton tableau, comme ça, demain, on va avoir un petit peu de money, money, money. Puis demain, c'est le deuxième jour de travail, donc on va aussi avoir de l'argent par rapport au boulot. Bon, elle vient là, la copine. Youhou. Non, elle vient pas. Bon, bah, tu vas jouer avec quelqu'un d'autre. Jouer avec les enfants, ce sera plus facile. Non, personne ne veut venir jouer avec toi, c'est... Bon, bah, tant pis. À discuter avec lui, là, tiens. Présentation amicale. Allez, c'est parti. Non, tu veux pas. Pff, t'es chiante aussi. J'ai l'impression qu'elle, elle s'en va jamais d'ici. Ah, mais c'est parce que c'est la bibliothécaire. Ah, bah c'est pour ça, alors. En fait, elle habite ici, elle aussi. Eh, vas-y, discute. C'est là. Gorba. Demandez comment s'est passée la journée. Voilà, super. Allez, monte un peu là, le social. Ah. Non, on va pas au festival de l'amour ensemble, Katrina, s'il te plaît. Discuter de la théorie des couleurs. Raconter une histoire délicieuse. Parler de cuisine. Non, mais pourquoi tu le dragues? Hop, se renseigner sur l'auteur. Allez, on y va. Allez. Ah, c'est bon, on est dans le verre. Arrête tout. La peinture t'attend, madame. Petite toile. Pardon, je crois qu'on va arrêter le ventilo maintenant, ça se rafraîchit un peu. Enfin. Hey, on a encore perdu 0,2 degrés. Il ne fait plus que 28, dis donc. Youhou. Oh, un petit lama. Espérons qu'elle me rappelle. Oh non, il fait trop chaud en fait. Non, remets le ventilateur. Vas-y. Là, il a du mal à s'allumer. Il a pas intérêt à me lâcher lui, sinon il fait mal vivre la fin de l'été. Voilà, terminé. Combien ça rapporte? Bon, un peu moins. Allez, mettre dans l'inventaire. J'ai plus d'argent. Si tu peux faire un couteau. Un bloc de couteau. Et puis après, bah, t'iras te laver un peu parce que... Parce que bon... Ah oui, c'est cassé. Ah, cassé l'évier. Quand je vous dis que c'est un appôt, en fait. Hop, se laver les mains. En fait, c'est dur dans ce challenge parce que chaque fois que tu gagnes un petit peu d'argent, bah, chaque fois tu le repères, quoi. C'est un peu le problème. C'est que chaque fois que t'arrives à te mettre un petit peu de sous de côté, bam, bam. C'est chiant. Mais c'est le jeu, Lucette. Putain, t'es encore fatiguée. Excuse-moi, madame, c'est mon canapé. Je rentre à ta maison. Moi, j'en ai pas. Allez, que demain, je peux vendre des choses. Dégage, merci. C'est comme ça. C'est la dure loi de la vie. En plus, t'as pas voulu jouer avec mes échecs, alors... Et nous sommes dimanche. Alors, hop, 26 flouzes, 238 flouzes, et hop, magnifique. C'est ça, un pas en avant, trois pas en arrière, voilà, c'est tout à fait ça, ça résume bien la situation. Donc 268, on va pouvoir aller peut-être faire encore un tableau ou deux aujourd'hui, mais je crois que je travaille par contre. Donc, pour faire des tableaux, c'est chaud. Non, pas abstrait, pas le classique. C'est chaud pour faire les tableaux. Parce que du coup...
voir, je vais manquer de temps. On va peut-être se mettre en vitesse rapide, déjà que ça va pas vite, alors... Bon, bah mine 2, ça fait déjà une semaine qu'on joue. Une semaine sur 4. Quasiment. C'est pas mal. C'est pas mal, du coup. Je sais pas combien on va finir ce challenge de la crise financière. Je pense qu'on va pas faire un score non plus énormissime. On verra bien. On verra. Bon, allez, vas-y, arrête de dormir. Va peindre un tableau. Tu travailles de toute façon à 11h. Un petit tableau, après tu pourras retourner. Ça y est, c'est l'été. C'est-à-dire qu'on est bientôt en hiver. On n'a toujours pas de maison. De toute façon, je pense qu'en vrai, on n'en aura jamais des maisons. Pourquoi je fais deux fois utiliser ? Oh, elle a cassé tout. Genre, elle a cassé le frigo et tout. Tout cassé. Bah, réparer, hein. Comme ça, tu montreras ta compétence, puis tu récupéreras des pièces, et puis, enfin, bref. Et tu l'as fini ton tableau là-haut là, parce que je t'ai laissé 2 minutes, mais... Oh, t'as fini ton tableau. Hop, on va vendre un collectionneur. T'es bien. Je suis fière de toi, Penny. Tu t'en sors bien. Soit une Lannister et paie tes dettes, ce sera soit une bonne fin, et qui sait, tu gagneras peut-être au loto. Ouais, Winter is coming. Et faut que je paie mes dettes. Ouais, mais elle est pas blonde. Les Lannister, ils sont tous blonds, tu sais. C'est... Là, vu la tronche, je pense qu'elle vient plutôt... Plutôt de l'autre côté de la... De l'autre côté de la mer. Elle fait plus Dothraki que Lannister, quand même. Mais bon. Ça y est, t'as réparé. Du coup, attends. Ouais, du coup, tu peux vendre ça. Bah, va réparer encore, là. Oh, mais tout est cassé. On a tout cassé. Ok, et c'est tout, c'est bon. Voilà, va réparer. Hop, se laver les mains. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Oh, je fais n'importe quoi. Bon, bah, va manger. Manger un repas rapide, un biscuit au fromage. De toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était un live bien sympathique. Merci à tous d'avoir été là pour ma reprise. J'avais un peu peur parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu venir ce soir. Et du coup, j'avais un peu peur de me retrouver à faire la conversation toute seule avec moi-même. Et pas du tout, vous avez été au top. Et franchement, j'ai passé une bonne soirée. On s'est bien amusé malgré... une absence totale de chance, mais on s'est bien amusé, donc merci beaucoup à vous d'être venus pour cette reprise. Du coup, je pense qu'on se refera un petit live demain soir sur pareil sur la crise. Voilà, à peu près la même chose, hein, 21h30 minuit, parce que je travaille vendredi, alors on va quand même pas se coucher non plus, à pas d'heure. Mais je pense qu'on va se refaire un petit live demain soir pareil sur la crise financière. Et puis ce sera pas mal déjà, voilà. Demain dans la journée, je referai peut-être un live, mais pas sur les Sims. Peut-être un petit truc sympathique, sans prise de tête, soit sur Don't Starve, ou peut-être un peu de WoW, parce qu'il y a le pré-patch qui vient de sortir, donc il y a des nouvelles quêtes à faire. Donc voilà. De toute façon, je vous tiens au courant sur mon Twitter. Et surtout, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, parce que comme ça, bah, vous serez au courant des prochains lives. Je vous fais plein de gros bisous encore. Merci à vous d'avoir été là. C'était un super live. Voilà, j'espère vous revoir bientôt. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao tout le monde.